Demain soir, normalement, c'est découverte de Deathloop en première partie de live. Et après, bah, c'est des DBD quoi. Évidemment, fallait que je. Ah putain, mais oui, ils sont là-bas. Évidemment, fallait que je tombe du coup sur, sur une map pas terrible. J'aime pas trop celle-là. Oh, tu me diras, j'aime pas. Ah non, elle est forte pour les survivants, ouais. Vu. Allez hop, répétez. Back save. Ah mais c'est débile, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est... Enfin, honnêtement, c'est débile. Hein. Booba, bien joué, mais c'est débile. Hein. À mon avis, ils sont partis à l'opposé. Non mais elle abuse quoi. Enfin, elle a compté les, elle compte les petits pois. C'est pas possible quoi. Putain. Bon, pas de crochet flagellateur. Dans... Boom. Et hop. Non mais après, quand tu joues Booba de manière propre, ça va. C'est sûr que quand tu joues Booba comme un mongol, c'est frustrant. Bonjour. Bon, alors du coup là je laisse bien évidemment la Jill partir. Voilà. Voilà. On est, hey, on est sympa quand même. Enfin, écoutez. On est sympa. On tronçonne, mais on tronçonne de manière délicate. Voilà. Moi, je tronçonne de manière douce et délicate. Parce que je pense que l'amour est la vérité. Le Rookster. Et j'en fais un malheur. Boum. Bonjour, Lyon. Écoutez, Lyon. Bien joué, Lyon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah il est là-bas, bonjour Lyon. Je t'ai vu hein. Vous êtes prêts? On va charger de loin là. Oum le coup de marteau. Oum le coup de marteau. Moi je dis faut pas le jouer. Ah, il faut jouer tous les persos. Franchement, moi, je vais pas m'arrêter de jouer à un perso. Il est marrant à jouer, Booba. Hein. Moi, je... Honnêtement, je le trouve marrant à jouer. Hein. Je l'ai pas joué, mais il m'intéresse pas. Ah ouais, moi, je le trouve fun à jouer. Quand tu fais tes charges de tronçonneuse et tout, il est drôle à jouer, Booba. C'est sûr que si tu tombes sur des mecs qui... voilà, qui campent et tout, bon, évidemment, elle est blessée. Voilà, mais... Ouais, mais c'est no-brain, quoi. Oui, bah... Ah c'est la tronçonneuse, en fait il faut vraiment qu'il change la tronçonneuse quoi. La tronçonneuse il faut vraiment qu'il la change. Là je vais faire péter un gène. Là. Boum. Voilà ils vont finir le gène là. Ah non. Et ouais, voilà, c'est ça. Faut pas haïr un perso juste parce que
Fais tuer quoi, tout simplement, il faut... Après, il est pas fort contre des survivants qui s'avloupent. Ouais... Après, moi, le perso en lui-même, je le trouve hyper cool à jouer. Vraiment, le gameplay est hyper fun. Tu peux faire des moves hyper sympas avec la tronçonneuse. Bah oui, pour ça, Booba c'est un tueur, hein, honnêtement. C'est un tueur. Et puis en plus de ça, Booba, sur certaines maps, Booba, il se fait détruire. Hein. En vrai. Hein. Parce que le moindre obstacle, on va dire, te nique ta tronçonneuse, enfin... Pas quoi, hein. En tout cas, je tenais juste à remercier beaucoup Marie et Caprice, parce que de base, Caprice est une streameuse qui fait du DBD, elle a arrêté pour le moment. Mais ça me fait super plaisir que vous soyez sur mon live. Je vous fais des gros bisous, les filles. Voilà. Salut, les filles. Attention. Là, on leur met un petit coup de pression, là, tu vois. Ah, salut. On va prendre le glyphe, quand même. Ce serait sympa. Bonjour. On leur met un petit coup de pression. Voilà. Elle va partir de l'autre côté. Ah non, j'étais trop gourmand là, tu vois. Bonjour. Voilà. Propre, net et sans bavure. Voilà. En plus, honnêtement, là, je joue avec un build hyper défensif. Ça pète. Enfin... Voilà, il y a de la défense de gêne, il y a de tout là. Donc, à mon avis, il peut pas aller bien loin, donc il est possiblement par là. Ou alors il a pété avant, je sais pas. On a déjà un mort. Pas mal. Sachant que le gêne là-bas, c'est le gêne au fond qui a été fini. Bah ouais, mon Lucas. L'important, c'est juste de s'amuser sur le jeu. De pas camper, etc. Tu vois, pas camper, tunnel, slug. On n'est pas là pour faire de la compète. Alors, certes, dans les tournois, il y en a, ils vont tryhard, etc. Mais nous, est-ce qu'on a le niveau pour faire du tournoi? Absolument pas. Voilà. Donc, l'important, les amis, c'est de toujours prendre du plaisir dans ce que vous faites. Ouais, à mon avis, ils s'enroulent. À mon avis, ils sont dans la baraque. C'est le seul endroit où j'ai jamais été encore de la map. Absolument pas. Donc non, en fait, ils forçaient sur celui-là. Putain. Ils ont forcé sur le gène, quoi. Voilà, je vois là, je l'ai vu. Il est là-bas. Boum. Bien joué. Bien joué. Elle joue bien là. Elle joue bien. Une palette par là. Elle joue bien là, elle joue bien la petite blondinette là. Ah non, la tronçonneuse. Bon, c'est pas grave. En train de te faire perdre la game là, les autres ils font les jeunes. Ouais, mais c'est pas grave. En soi, la game, honnêtement, la game. C'est vrai qu'elle joue bien.
En soi, la game, perdre, gagner, pas grave, tu vois, j'aurais pu les tuer, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? En vrai, je les ai démontés au début de la game. Oh non, mais ça par contre, c'est abusé. Bah vas-y, avance mon frère là. Oh là là. Est-ce que vraiment j'aurais dû? Non. Est-ce que j'avais envie? Oui. Qu'est-ce que t'as fait encore? Oh bah j'ai perdu mon temps sur une chaise. J'ai juste perdu mon temps sur une chaise en fait. En fait je me suis laissé un petit peu aspirer par la comment dire la Rebecca. Et j'aurais pu vraiment close la game. Enfin en tout cas me rabattre sur d'autres survivants et les empêcher en fait de faire d'autres gens. Mais j'avais pas envie en fait. Tout simplement. Donc, du coup Ah c'est une Cheryl. Ouais bah Cheryl alors. Et là, il y a le Léon, je l'ai vu. Voilà. Après moi on était trigger. Et là du coup elle va se barrer. Mais du coup moi je vais pas y aller tu vois, je vais la laisser. Je sais que le lion il est par là. Voilà, il y en a un qui est par là. Ah bah c'est elle, bah elle a pas de chance. Voilà, ça passe. Eh, salut ma Fanny! Ça va mieux? Ça va mieux, louloute? Bah, faut que tu te reposes, ma belle, hein. C'est important, hein. Ils sont bas. Je crois que c'est la Cheryl en plus. Je voulais te faire un petit coucou. Oh, t'es adorable. Merci beaucoup, ma Fanny. Mais prends soin de toi, hein. Ils sont dans le truc. C'est un amour, ma belle. Voilà, les deux là, ils vont jouer sneak. Ah, c'était super. Les deux vont jouer sneak. Ah, il reste plus qu'un jeune, ils veulent le terminer. Ouais. Oh mais non, purée! Vas-y mais... Je savais qu'elle était là. Ah putain mais il y a une palette aussi ici? Bah il faut que t'ailles au médecin ma belle, hein, c'est important. Hein.
Ah, mais ils sont encore en train de le faire. Allez, tiens. Tu rigoles moins, là, hein. Allez, hop. Bon. Oh non, putain. Sérieux, quoi. Ils l'ont pété. Bon, il va s'enlever, c'était sûr. Bien joué. Ouais. Allez, hop, tu dégages. Faut absolument que j'arrive à la mettre sur le flagellateur. Ma Fanny, elle, s'il vous plaît, dans le chat, j'aimerais qu'on envoie un maximum d'amour à ma belle Fanny qui est en train de, malheureusement, subir un mal de ventre. Un gros mal de bidou absolument horrible. Du coup, envoyez-lui plein d'amour, s'il vous plaît, mes amis. Ah, il a trouvé la trappe. Je me mets dans la peau de Vomito. Ouais. On t'envoie plein d'amour. Plein d'amour pour toi. Bon, en vrai, j'aurais pu tous les tuer si j'avais décidé de...